Ça marche. Ensuite, on met les mains comme ça. Dès qu'on tape sur les épaules, on met les mains sur le côté. On regarde devant. Papa, papa, il m'a appris. Bien appris. Ok. Alors, avant de se retrouver dans cette position, ça s'appelle la position qu'on va avoir en chute. Par contre, quand on va sortir de l'avion, on n'est pas tout de suite dans cette position. Vous n'allez pas passer au travers du harnais, vous êtes accroché bien équipé. En fait, vous avez juste à vous laisser porter, bien respirer et profiter de votre vol. Ok. Levez la tête. Vous souriez, vous respirez normalement. Vous êtes content d'être là. Il fait beau, on est en week-end, on est pas en parachute, c'est nickel. Au niveau des pieds, les pointes de pied un peu en extension. On contracte légèrement les fessiers, on décolle les genoux du sol et on maintient cette attitude-là. Attention, sur là, je peux maintenir. On lève la tête, on peut quand même respirer. Dès que vous serez bien positionné, donc ici, on va vous taper sur les épaules. Donc là, on peut écarter les bras à 90 degrés, on se laisse porter. Génial. Vous pouvez relâcher et vous mettre debout. Merci. Si c'est dur parce qu'il y a tout votre poids, là-haut, c'est le vent qui va vous... Ouais, c'est le fond activé. À fond. Le temps d'être en haut. Ouais, et ça va être plus sympa qu'en début d'après-midi parce que là, la lumière est super belle. En plus. C'est plus sympa. On va voir ça, quoi. Allez. Allez, c'est parti. The ground.
C'était un beau saut. Super. Bravo. Magique. Bon, putain, bravo. Super. Allez, la bise. Il a attendu, il a attendu. T'as été super. Merci beaucoup. Allez, bravo. C'était un rêve. Merci à la chérie, quoi. Merci à la chérie, cool. Voilà. C'est pas déjà fait.